La saleté n'augmente pas l'onction. Tu es une femme mariée, mais c'est toi qui regardes la pornographie avec ton mari. Et tu te donnes la raison, tu dis non, je suis marié, nous sommes mariés. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais c'est la pornographie, c'est ma femme. C'est mon mari. Celui que vous regardez là-bas aussi, c'est vous-même, vous deux. Cinquième point. Je bénis les femmes qui écrivent. Elle vit dans l'obéissance et dans la pureté. 1 Samuel 15:22. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obéis d'abord à Dieu. Et si tu es une femme mariée, tu obéis à ton mari. Voilà pourquoi célibataire, donnez-moi un amen, les femmes célibataires. Je dis aux femmes célibataires, choisissez bien. Si tu choisis un mauvais chef, tu seras obligé d'obéir à un mauvais chef. Kama on a chakula chef au mubaye. Tu dois apprendre à vivre dans la pureté. La sainteté. Dieu qui est saint. Mungu le comme takatif. Autour de lui. La Bible dit, pour ceux qui lisent la Bible. Dieu a la Bible. On ne dit pas qu'autour de lui il y a de l'or. On ne dit pas qu'autour de lui il y a de l'argent. Autour de Dieu il y a des êtres qui disent saint, saint, saint. Voici comment moi j'interprète ça. Je ne suis pas dans l'interprétation prophétique, mais je suis dans l'interprétation littérale. Voici comment moi j'interprète ça. J'interprète ça comme ceci. Dieu qui est saint s'est organisé pour qu'il y ait des êtres qui lui rappellent qu'il est saint. Que lui, sa nature, c'est la sainteté. Je parle où je laisse. Je te pose la question, est-ce que je dois parler où je laisse? Est-ce que je dois parler où laisser? Parce qu'il faut toujours demander la permission. Bon, comme j'ai vu des mineurs, alors je vais parler avec douceur. La pureté. Célibataire, la pureté. Est-ce que ton téléphone là, est-ce que je peux le prendre? Est-ce que je peux ouvrir dedans? Est-ce que là où il y a des photos, je peux regarder où je vais devenir aveugle par ça que tu as mis là-bas? La pureté. Alors qu'il y a déjà le problème de courant, mais toi tu envoies des photos bizarres auprès d'un homme façon façon. Mais tu étais venu à une célébration. Tu as reçu l'onction. Mais tu te prends des photos bizarres et tu envoies un homme. Il fait tellement noir qu'on ne sait même pas si la photo là c'est toi ou la photo là c'est qui. Tu es une femme mariée, mais c'est toi qui regardes la pornographie avec ton mari. Et tu te donnes la raison, tu dis non, je suis mariée, nous sommes mariés. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais c'est la pornographie, c'est ma femme. C'est mon mari. Celui que vous regardez là-bas aussi, c'est vous-même, vous deux. Répétez, Mouébale. La femme là que vous regardez là, elle a 50 kilos. On a travaillé son corps avec la chirurgie. De manière à ce qu'elle fasse ses films là bien. Quand ton mari regarde, qui l'amène à l'excitation, c'est toi ou c'est elle? Tu vois que quand il y a le péché, même l'intelligence s'effrite. Correct. Même l'intelligence te disparaît. On est marié. C'est mon mari.
C'est comme ça qu'on fait pour allumer. Ma soeur, c'est triste pour toi. Donc toi, tu n'arrives pas à allumer ton mari seul. Je réchoque. Toi, tu n'arrives pas à allumer ton mari seul. Il faut qu'une femme italienne, indienne, marocaine allume ton mari à la télé. Quand il va finir de regarder, il est bien allumé. Et maintenant, il te touche. Il dit différence. Ce n'est pas ce que j'ai vu là-bas. Toi, tu as déjà fait 5 enfants. Ta poitrine est déjà tombée. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il a vu. Tu as introduit le diable dans ton foyer toi-même. Et à l'église, tu es une femme de prière. Mais le diable est entré dans ta chambre. La pureté. La pureté passe aussi par la, même par la pureté physique. Sois propre. La saleté n'augmente pas l'onction. Toi, jusqu'aujourd'hui, tu as ces gens-là de jeunes. Je ne sais même pas où est-ce que tu as eu ça. Où. Ces gens de jeunes-là, toi, tu es demoiselle, madame. Tu dis, moi, je jeûne pendant 7 jours, je lave pas. Baba. C'est quel Dieu? Commençons par toi qui es marié. 7 jours sans te laver, tu passes dans la maison avec les odeurs. Et tu montes aussi sur le lit conjugal comme ça. Et après ça, tu viens voir maman Émilie, mon mari a changé. Comment il va être comme il était? Tu sens pas bon. Une femme. Mouke. La femme a été créée dans le jardin d'Éden après avoir créé tout. Capte-moi bien. Elle a été créée dans le jardin après avoir tout créé. La femme est l'image de la beauté et de la pureté. Maintenant toi tu ne sens pas bon, pourquoi? Aujourd'hui, Léo, on ne peut pas accuser l'argent. Non, c'est faux. Non, moi je n'ai pas l'argent pour acheter un déodorant. Tu ne vas pas accuser l'argent aujourd'hui. Ici, je ne sais pas combien ça coûte. Va acheter un citron. Vous êtes citron. Citron, 500 francs. 4-500. Mais c'est extraordinaire. 4 citrons à 500 francs. 4 citrons, 500. Donc tu peux acheter pour lundi, mardi, mercredi et jeudi. Nous on a eu ce que lundi, mardi, mercredi, jeudi. Tu prends tes citrons, tu les mets là, tu te laves. Quand tu te laves, tu prends, tu frottes les aisselles. Tu frottes. On avait pas citron, on a eu ça qu'on a mis, on a tenu ça à cochine à micono, on a coulé ça. Ça empêche les odeurs et puis ça empêche la transpiration qui sent mauvais. Qu'est-ce qui va t'empêcher aujourd'hui d'être une femme propre qui a une belle, une bonne odeur? Tu es là en train de dire l'onction. L'onction. Quand tu t'approches même pour dire l'onction. La pureté. Osafi. Quantième point? Yassita. Sixième point. Sixième. Elle est amie de l'offrande. Alekalaka rafiki wa sadaka. Et du service de Dieu. Na rafiki wa makaji ya Mungu. Écoute très bien et capte. Unishikie mzuri na uibambe. Une femme qui veut des résultats dans la prière. Ole mwanamke ewe anapenda malombi yake zale matokeo. Elle est l'amie de l'offrande. Alekalaka rafiki wa sadaka. Exode 4, 25.
kutoka ine mustari ya 25. Celui qui prie sans s'attacher à l'offrande, à le logos, il n'aura pas de rema. Ule erona omba lakini ashambatale na sadak erona bia kiro lakini ashitabala bia kimwi. Il n'aura pas de rema. Ashita pata bia kimwi. Tu vas parler, tu auras des belles phrases. Quand toi tu pries dans l'église, tout le monde est alléluia, alléluia. Tu as le logos, mais les rémas, or c'est les rémas qui attirent le miracle. Le verset que je te donnais, c'est la femme de Moïse, Séphora. Elle a donné les prépuces de son fils comme offrande à Dieu. Dieu vient tuer Moïse. C'est ça le rema. Dieu envoie Moïse, mais lui-même vient la nuit tuer Moïse. Parce que le fils de Moïse n'est pas circoncis d'arme. Est-ce qu'on peut le dire? Tout arme. Hein? Maintenant tu t'es arrêté comment? Les versets ne s'arrêtent pas là. Tu as fait comment tu t'es arrêté? Parce que c'est seulement ça qui t'intéresse. Et des fois même tu dis sans effet, feu. Feu. Le verset ne s'arrête pas là. Verset toute arme forgée contre moi sera nul et sans effet. Cela est l'héritage de ses serviteurs. C'est comme ça que des fois les sans effets que tu as envoyés, ça a été avec effet. Parce qu'on dit que ça c'est l'exclusivité de ceux qui servent Jésus. C'est leur héritage. Même s'il ne dit pas sans effet, il est protégé. Le service de Dieu est un bouclier de feu qui protège votre vie. Quantième élément maintenant? Septième. Et c'est le dernier élément. Nanjo ya mwisho. Cette femme doit veiller sur son langage. Ole mwanamke anapacha kuangalisha lulimi yake mzuri. Proverbe 13:3. Mezali 13:3 mustari ya 3. Proverbe 13:3. Mezali 13:3 mustari ya 3. Cette femme doit veiller sur sa bouche. Ole mwanamke anapacha kuangalisha sa kubamba sana lulimi yake. Pourquoi tu aimes parler de tout sauf de rien? Jua nini wewe unasemaka byote lwako? Pourquoi tu aimes raconter même ce que tu ne maîtrises pas? Répétez ça, mon frère. Quand je parle, même il y a une personne qui ne me capte pas bien. Elle a l'impression que je ne m'adresse pas à elle. Il faut que je sois tout près d'elle pour qu'elle sache que c'est toi. Quand je prêche, je ne prêche jamais ta voisine, c'est toujours toi que je prêche. La sainteté et la pureté sont des éléments clés pour expérimenter l'exaucement de nos prières. En 1 Pierre 1, 15 à 16, il est écrit, « Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saint, car je suis saint. » Dieu est saint, et il nous appelle à refléter sa sainteté dans nos vies. Être saint signifie être séparé du péché et consacré à Dieu. Lorsque nous vivons dans la sainteté, notre relation avec Dieu est renforcée, et nos prières sont plus en accord avec sa volonté. La pureté est également essentielle. En Matthieu 5:8, Jésus dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Une vie de pureté, tant dans nos pensées que dans nos actions, nous rapproche de Dieu et rend nos prières plus puissantes. La pureté du cœur nous permet de prier avec une conscience nette et une foi sincère. La Bible nous rappelle dans Psaume 24:3 à 4, « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel ? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint ? Celui qui a les mains pures et le cœur pur. » Pour être exaucé par Dieu, nous devons rechercher la sainteté et la pureté dans nos vies, confesser nos péchés, et chercher constamment à nous rapprocher de lui. En conclusion, chers frères et sœurs, la sainteté et la pureté sont des éléments cruciaux pour expérimenter l'exaucement de nos prières. En vivant dans la sainteté et en recherchant la pureté, nous nous approchons de Dieu avec des cœurs purs et des vies consacrées, ce qui ouvre la voie à une communion profonde avec lui et à la réalisation de ses desseins dans nos vies. Que chacun de nous aspire à être saint et pur devant Dieu, sachant que c'est ainsi que nous le glorifions et que nous vivons dans sa faveur. Amen.